Bonjour à tous, c'est Barbadoos. J'ai repris le live Twitch aujourd'hui et donc, de temps en temps, comme ici, je vais publier des rediffs. N'hésitez pas à vous abonner et à réagir dans les commentaires, c'est important et ça me fait super plaisir. Sur ce, bon visionnage. On va tenter, hein. Je sais pas trop ce que ça vaut. Alors, fracassant qui retire. Sacrificiel, silence. Éclatant à la place de retentissant, c'est les mêmes PA. Ah, c'est 3 PA le retentissant. Je préfère l'éclatant. Au moins, je peux me soigner un peu. Merci pour la bonne chance. Heureux, Ronflex, comment tu vas? Ouais, c'est pas insane, hein, une Ripsa en 1v1. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, petit fracassant qui serait pas dégueu. Sauf qu'on peut déloc et taper. On va commencer par un fracas. Voilà. C'est un upper mage, mon ennemi 2006. Upper mage R. Ah, soit. Je suis cac, ça tombe bien. Alors, on va... 5, 4... Moins 1. Ok, moins 0. On va faire un deuxième. Un mot interdit. Un mot éclatant. Un mot éclatant. Et on pousse une fois. S'il reste à mon cac, ouais, je gagne un PA du coup. Prochaine fois, je saurai mieux calculer mes PA. Mais en vrai, je vais abuser du mot éclatant, je pense. Si je suis en 13, je peux faire éclate, éclate, ça fait 8, 8, 13, 13, 2, 5. Du coup, je peux faire double éclatant et un fracassant. Je pense que je vais faire ça. Ah non, j'ai oublié de mettre l'ébène arcante. Pour, là, je suis en stuff songe, en fait. En gros. Donc là, si je fais 4, 4, il me reste 3. Donc l'ébène en fait c'est un Dofus qui fait les états comme ça là, tu vois, sur au-dessus de ta tête il a un 5. Bah là quand il va me taper il va me mettre un poison. Il va me mettre un poison comme celui-là que j'ai là. Là. Et voilà, là j'ai double poison donc je vais commencer à avoir très mal. Bon là il va vouloir me garder distance, je pense qu'il va gagner. Hein. Très clairement. Le jeu il bug trop vite en fait. Hein. Je le redémarre genre 15 fois quoi. Alors là j'ai 10 PA. Peut-être me soigner deux fois. Eh ben c'est niveau 180. Enfin c'est un Dofus 200 quoi.
Mais tu peux l'équiper 180, il me semble. Et il veut plus, hein, se coller à mon cac maintenant. Ah, Vakis m'a retiré des PA, tiens. Et bienvenue à Cloister. Et bienvenue à Taz aussi. Je pense qu'il va taper la fuite tout le temps maintenant. Ouais. Alors, 3 et 2 fois. Comme ça, on se soigne bien comme il faut. Et on a le lapin derrière. La pire erreur à faire, hein. T'as un Eniripsa, tu tues son lapin en fait. Parce que déjà, le lapin il soigne et surtout il donne 2 PA en fait. Tue-le, mon lapin. Tue-le, hein. Ça bug beaucoup trop. J'ai trop un lag en fait là. Donc là j'ai 12 PA. Je pourrais faire. Tac 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 tac. Si je fais 5 et 4, 9. 9 et 3. Ouais, les animes, ouais. Les animations de sort, ça fait bugger de ouf. Donc là, je viens de les enlever, je suis obligé, ça fait trop bugger là. Comment tu vas, Lesvo? C'était toujours là, hein. Allez, finis à mon cac, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Ok, bah, soit. J'ai 13 PA. 13 PA. Donc, du coup, si je fais 3, il me reste 5. Green Rush, tu penses quoi de l'énière? Très très fort. En plus, l'énière, contrairement au feu, lui, c'est pas autour de la cible, c'est pas autour de celui que tu tapes qui a le soin, c'est autour de l'Eniripsa. Ce qui fait que tu peux te servir de l'Eni-R en fait comme soigneur, en même temps qu'un DPS, mais il faut que ton Eni soit à côté des ennemis. En gros, ton Eni émane le soin en tapant, à 2 cases autour de lui, contrairement à l'ennemi émane le soin en étant. Il a du mal, hein, le permage. Ouais, feu, c'est quand même mieux en PVM. Hein. Y a pas photo. Hein. Bon, on va faire ça. Ah, j'aurais dû garder 2 PA pour pouvoir booster le Lapino. Dommage. Il a les bennes. Dommage que j'avais pas les bennes, mais ça aurait pu être sympa. Par contre, je suis vraiment trop en mode songe, tu vois. J'ai pas de quoi faire du PVP, c'est juste que j'ai des résistances. J'ai des résistances assez conséquentes, c'est tout. Et encore, c'est ma résil la moins haute R. Ah. Monsieur change d'avis. Donc comment qu'on peut faire maintenant? Si je fais 3 et 3 et 4. Bon, bah, genre un ébène, ça ferait longtemps que je l'aurais tué. Par contre, Lapino, t'es un peu con-con là-dessus. Le mec a un 10 tours, hein, il a toujours pas tué mon Lapino. Là, c'est parti pour la fuite. La sainte fuite.
Un upper mage, ça peut pas éroder? Je crois bien que si. Hein. Pourquoi il m'a pas héros en fait? GG, t'es bien cancer. Sorry. C'est un stuff songe.